Salut à tous! Alors ouais, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça doit faire à peu près 2 mois. Mais bon, j'avais un peu de taf, du coup j'ai pas pu faire de vidéo. Bon, hier j'ai reçu un petit colis de la part de Google, et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, c'est super lourd. Ajax. Bon voilà, évidemment c'est pas Google qui m'a envoyé ça, mais pour fêter les 10 millions de vues sur ma chaîne, eh ben je vais vous montrer comment fabriquer le Diamond Play Button. Certains d'entre vous savent peut-être pas ce que c'est. En fait, YouTube donne des récompenses à certains paliers d'abonnés. Le premier, c'est 100 000 abonnés, donc vous avez le Silver. Ensuite, il y a le Gold pour 1 million d'abonnés, et celui-ci, donc le Diamond Play Button, c'est pour 10 millions d'abonnés. Dans le monde entier, il doit y en avoir moins d'une vingtaine, et Cyprien a eu le premier en France, il y a à peu près une semaine. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as fait ce Diamond Play Button? Bah, il y a plusieurs raisons. Alors la première, c'est que je voulais m'entraîner à tout ce qui est fonderie. Parce que justement, je viens de me fabriquer une petite forge. La deuxième raison, c'est que j'ai toujours pas reçu la plaque des 100 000 abonnés. D'ailleurs, j'ai vu récemment que Fabien Olicard, un autre youtubeur, a eu deux plaques des 100 000 abonnés, alors qu'il a passé les 100 000 après moi. Du coup, je sais que t'étais abonné à ma chaîne, Fabien, mais je sais pas si tu regardes encore mes vidéos. En tout cas, si tu as des trophées YouTube en trop, n'hésite pas à m'en donner un. Bon, allez, on commence la fabrication de ce Diamond Play Button, et restez jusqu'à la fin parce que ça se pourrait que je vous le fasse gagner dans un petit concours. Pour commencer, j'ai modélisé le Diamond Play Button à partir de toutes les photos que j'ai pu extraire des vidéos des youtubeurs qu'il avait eues. J'ai utilisé un logiciel extrêmement puissant qui s'appelle Gimp. Ouais, on est d'accord, c'est vraiment pas top, mais bon, j'avais plus Photoshop, du coup j'ai fait avec ce que j'avais. Juste ici, je vous mets une photo de mon fichier, comme ça, si vous en avez besoin, vous pouvez faire un screenshot. Ensuite, on va faire fondre des bougies que j'ai achetées pour vraiment pas très cher, et ça va nous permettre de sculpter notre logo dans de la cire. On va couler un fond de cire dans un moulin carton qui a à peu près la forme du logo, et une fois que c'est solidifié, on va couler le reste de la cire. Le faire en deux fois, ça va simplement permettre d'éviter les fuites. Et voilà, on n'a plus qu'à démouler notre bloc de cire. Maintenant, on va lisser les bords du bloc de cire avec un couteau. On va maintenant repasser tous les traits du patron pour les graver dans la cire. Une fois que tout était gravé, j'ai coulé du plâtre par-dessus pour faire le moule. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à faire fondre toute la cire avec un chalumeau. J'ai fait fondre des morceaux d'aluminium dans ma forge que j'ai ensuite coulé dans le moule. Comme vous pouvez le voir, ça a été un énorme échec parce que ça a fait plein de bulles, donc même si c'était un mélange de plâtre et de sable, l'air n'a pas pu passer. Du coup, même si mon moule était cassé, bah, j'ai rassemblé les pièces et dedans j'ai coulé du plâtre. Alors évidemment, j'ai dû tout resculpter bien proprement pour que ça fasse un logo en assez bon état, et puis j'ai mis une petite couche de vernis. On va donc utiliser une technique beaucoup plus classique dans la fonderie en faisant un moule avec du sable. Alors c'est pas uniquement du sable, parce qu'on va rajouter un peu d'argile, environ 20%. Ça c'est de l'argile verte que j'ai trouvé en pharmacie pour à peu près 3 € le kilo, et je crois que ça sert normalement à faire des masques de beauté. On va humidifier le sable et le mélanger jusqu'à ce qu'on ait une texture qui soit facile à modeler. On peut éventuellement le tamiser pour enlever les grains un peu plus épais. La texture idéale, c'est quand on peut faire un petit pâté dans notre main, qu'il ne colle pas et qu'il se casse net. Là, il est encore un tout petit peu trop sec. Alors une petite astuce que je connaissais pas et que j'ai vue sur une chaîne YouTube française qui fait de la fonderie, c'est de rajouter un peu de maïzena pour que le sable adhère mieux. Je vous mets le lien de cette chaîne dans la description. J'avais fait un moule en deux parties pour d'autres moulages, mais là, vu la taille du logo, on va simplement l'utiliser comme un cadre en bois. On ajoute un petit peu de talc pour pas que le sable adhère au logo. Et maintenant c'est bon, on peut remplir le moule de sable en commençant par du sable assez fin.
N'oubliez pas de tasser régulièrement pour que le moule soit vraiment ferme. Maintenant, on tapote avec un tournevis jusqu'à ce que le modèle en plâtre se décolle. Voilà le creuset que je vais utiliser. Alors, il est un peu trop grand pour ma forge, mais j'avais vraiment pas le choix vu la quantité d'aluminium qu'il me faut. J'ajoute du borax dans le métal en fusion, donc ça permet de dégazer un peu l'aluminium. Et maintenant, on va pouvoir le couler dans notre moule. J'étais un peu impatient, du coup j'ai rajouté de l'eau pour accélérer le refroidissement. Et malheureusement, je me rends compte qu'il y a eu une bulle d'air et que le centre du logo s'est un petit peu affaissé. Maintenant, on va passer à une phase de ponçage qui est vraiment très longue, ça m'a pris à peu près 2 jours. J'ai rebouché le trou qui était dû à la bulle d'air et le centre avec un peu de mastic. On va enfin pouvoir polir le bouton pour le faire briller. J'ai mis du scotch tout autour du mastic pour pouvoir le peindre avec de la peinture chromée. Voilà, la partie métal est terminée, il reste plus qu'à faire le centre en imitation de diamant. Pour cela, j'ai utilisé un morceau de plexiglas de 1 cm d'épaisseur que j'ai découpé à la scie. Et j'ai ensuite biseauté les bords à la lime électrique. La finition se fait avec du papier de verre de plus en plus fin jusqu'à ce que ce soit translucide. Et voilà la comparaison du modèle en plâtre et de celui en métal. Donc la finition n'est pas aussi belle que l'original, on voit qu'il y a quand même pas mal de petites bulles d'air. Mais bon, c'est très compliqué d'avoir une finition comme l'original avec les moyens du bord. Pour améliorer le logo, j'aurais très bien pu utiliser ce qu'on appelle de la terre de Delft. C'est une terre qui est utilisée en bijouterie et ça fait vraiment une finition presque parfaite. Et en plus, j'aurais eu moins de ponçage et de polissage. Le problème, c'est que ça coûte quand même très cher. Donc moi, j'ai vraiment essayé de faire avec un budget minimal. La deuxième chose que j'aurais pu faire, c'est faire un moule en 2 parties. Ça va permettre justement d'éviter les bulles d'air. Ça m'aurait demandé beaucoup plus d'aluminium. Mais déjà que j'en avais pas assez pour faire l'épaisseur du logo original, bah là, j'en aurais vraiment pas eu assez. Et il m'aurait fallu une forge beaucoup plus grande. Même le creuset que j'ai utilisé ne rentrait pas dans ma forge. Voilà, la fabrication est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air et puis me le dire dans les commentaires. Et puis du coup, je vais peut-être vous faire un petit concours pour vous le faire gagner. J'ai regardé un peu les chaînes qui avaient le même nombre d'abonnés que moi, donc à peu près 150 000. Et j'ai regardé le nombre de likes sur une vidéo comme le pistolet que j'avais fabriqué. Et bah je dépasse tout juste les 10 000 likes en fait. Et quand je vois que les mecs qui font des unboxings de paquets de chips arrivent à avoir des 30 000 likes, bon, c'est un peu relou quand même. Du coup, on va se donner un petit objectif de pouces bleus. Donc si on arrive à dépasser les 10 000 pouces bleus en moins de 24 heures, eh ben, je le fais gagner à l'un d'entre vous. Du coup, ce sera la première chose que j'ai fabriquée, que je vous fais gagner. Voilà, la vidéo est déjà terminée. En tous les cas, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'en profite pour remercier mon pote Guillaume, DJ Black, qui a réalisé la musique de cette vidéo. Et je vous mets son SoundCloud dans la description.